Il n'y a rien à forcer. Ta réalisation, ton désir est déjà fait dans l'ici et maintenant. C'est dans ton esprit que ça se passe dans un premier temps. Et quand j'entends, j'y crois de toutes mes forces, j'y mets toute mon énergie, je passe mon temps à penser à ça, je suis dedans, et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas. Parce que tu es dans, lorsque tu fais ça, finalement, tu es dans de la résistance intérieure. Puisque tu forces, tu n'as rien à forcer, c'est pas une porte blindée, c'est fait en fait. Et lorsque tu te dis intérieurement, je force, c'est pas possible, ça marche pas, tu crées de la résistance, et finalement tu crées le contraire, parce que tu es en train d'envoyer au niveau énergétique, le message est le suivant. Tu es en train de dire, j'ai pas encore, j'ai pas, je doute, j'ai pas. Je veux forcer, hein, je veux y arriver. Hein. On se détend, on fait confiance. Ce qu'il est bon de mettre en place, c'est la confiance. Confiance en toi, confiance en l'univers, confiance au fait que c'est fait en fait. Tu as planté ta graine, tu l'as entretenue, c'est bon, maintenant tu passes à autre chose. Tu lâches, c'est ok, c'est déjà fait. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est pas le fait de forcer, j'ai fait ma gratitude, j'ai fait mes affirmations, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je le fais parce que je dois faire comme ça. Parce que quand je vais comme ça, je suis sûre que ça va se réaliser, mais en même temps, je doute. Non, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Là, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de vaquer à tes occupations, de continuer à bosser quotidiennement, à travailler sur toi, sur ton état de conscience, sur faire en sorte d'orienter tes pensées vers le meilleur, d'accord? Faire de ton mieux. Essayer de faire de ton mieux en fait au quotidien, c'est ça qui est important. C'est pas te forcer à être parfait ou parfaite, c'est pas te forcer, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant je comprends pas, c'est pas encore là. Ok, c'est pas encore là, mais laisse-lui la place, laisse-lui le temps d'être là en fait. Laisse-lui de l'espace pour arriver. Et toi en attendant, tu es dans cette foi intérieure parce que tu sais que c'est là, parce que tu sais que tu l'as construit. À l'intérieur de toi, tu as cette foi intérieure et c'est ça qui fait la différence. Quand tu forces les choses, il y a de la frustration, ça veut dire que tu envoies énergétiquement à l'univers l'intention dont je ne l'ai pas encore. Je fais mes trucs mais je sens que je ne l'ai pas. D'accord, ok, ben, tu reçois ce que tu as demandé, tu ne l'as pas encore. Tu es dans le manque, tu es dans j'ai pas et tu me crées encore plus de manque, encore plus de j'ai pas. Tu as planté ta graine. Tu es dans ce désir réalisé. Il est en toi, il fait partie de toi. Tu l'as construit, c'est ta manifestation, c'est en toi. Tu fais les actions qu'il y a à faire. Les actions physiques, d'accord? Tu as construit au niveau spirituel ce qu'il y avait à construire dans ton esprit, émotionnel aussi. Tu es connecté à ça, tu vibres ça, tu es dans cet état d'être et tu laisses faire, tu as totalement confiance. Tu es dans cette confiance intérieure. Cette confiance en la vie, cette confiance en l'univers, cette confiance, cette foi intérieure. Et tu marches fièrement parce que tu sais que c'est là et que c'est fait. C'est déjà réalisé. C'est terminé. C'est fait en fait. C'est pas je suis en train de faire, c'est fait. Une fois que tu as construit précisément tout ce que tu avais à construire dans ton esprit, parfois tu réorganises, tu mets peut-être plus de précision encore. Et tu passes à autre chose, dans la détente, dans la joie, dans la bonne humeur. Et dans cette confiance absolue, dans cette foi, c'est là que tu es fait. Et là, tu vas accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Est-ce que tu sens la différence là qui se passe? C'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu relâches, tu es dans lâcher prise, tu es dans l'accueil, tu accueilles ce qui se passe. Tu n'es pas en train de dire, c'est pas, je force, c'est pas possible. Tu n'es pas dans la rigidité. Hein? Tu es dans la confiance, dans la détente, dans l'apaisement. Ah, c'est là, c'est fait. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes d'Audrey. Je vous envoie mes bonnes vibrations et je vous dis à très très vite, les Good Vibers. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter, de s'abonner. À très très vite.